Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Anaïso sur Weeble Wobble Puni Puni Yokai Watch. J'ai envie de manger des sushis. Oui, et donc aujourd'hui, nouveau challenge débilo d'Iso, on va faire le plus gros pony possible. Weeble Wobble, je me suis trompé. Parce qu'ici j'ai écrit Weeble Wobble. Où ça? Là. Ah non, c'est Puni, n'importe quoi. Alors, on va vous présenter l'équipe qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, c'est parti. On va utiliser Sailor Nyan. Parce que je voulais utiliser. Ouais, qui nous redonne de la vie. Et ça, c'est pas mal. Vous voyez qu'elle est au niveau 6 déjà. C'est bientôt au niveau 7. Mais en expérience, elle est qu'au niveau 1. Donc, elle a très très peu de vie. Mais enfin, c'est pas très grave. C'est un Yokai de la classe 2. Ouais. Elle s'appelle comment en français? Sailor Nyan. Ah, c'est le même nom, d'accord. Ensuite, on a Tsuchijiba. Donc Tsuchijiba Nyan, qui est au niveau 2 et au niveau 1 en expérience. Et c'est lui qu'on va essayer de transformer en méga décapouni. Alors, Tsuchijiba, c'est un yokai de Q3. Sushi. Oui, bah oui, si ça avait été Tempura, ça aurait été bizarre. Ensuite, on utilise Slurpant, comme d'habitude. Parce qu'il va nous permettre de faire des bubules, des décapouni. Décapouni. Ouais, ensuite on utilise Kakusei Tsuchigumo, qui fait aussi des décapouni. Size 9 à ouais, 11. Et enfin, Geki Kalaboy. Donc le petit garçon super épicé qui fait aussi des décaponies. Oh, à mon avis, il s'appelle pas petit garçon super épicé dans le jeu en français. Alors c'est parti. Comme d'habitude, on va aller au boss numéro 1. Il s'appelle comme ça, non? Piment Boy. Ah, peut-être qu'il s'appelle petit. Ouais, Piment. Piment Boy. Eh, hey, Piment Boy, ça va? Ici. Ouais, comme d'hab. Parce que l'avantage de ce niveau, c'est qu'on peut. On peut ne pas le tuer en attaquant ailleurs. Alors, il va dire Nelae et nous on va aller de l'autre côté. Ouais. Ah, on voit que dalle, regardez comme c'est moche. Par contre, quand c'est si bon, il est beau, je trouve. Non, Tsuchijiba, il est trop mignon. Première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger les bonhommes, notamment Slurpant, tous ceux qui font des décaponies surtout. Alors tu me dis hein si l'œil change hein. Je vais faire un stressé papa. Hop, super. Dès le premier on peut le faire. Ah, il en faut du temps pour charger. Ok, il charge. Ah mettez. Ah, je me suis trompé. Bah ouais, merci, merci mon assistante hein. Parce que je regarde Tsuchijiba. Nya nya. C'est un chien ou un chat? Un chat. Nya. C'est leur okay. Nien. Alors maintenant, nien. Il manque Slurpant. Bah oui, mais elle fait nia nia. Elle fait tchang tchang. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va nettoyer l'écran pour garder que des sushis. Un peu de temps. Mais le soigner, non? Hein? Mais le soigner. Soigner qui? C'est l'Arnian. Bah, on n'a pas besoin pour l'instant. Ok, bah, ouais, ça va vite, ça va assez vite encore. Son œil, il a pas changé, hein? Ah! Ouais, il faut que tu me le dises, le loup, hein, son œil change. Ah, il change! Ah! Tu fais stresser papa. Bah comme d'hab hein. Bah alors là les sushiniens, vous avez... au début ça allait bien mais là ça devient long hein. Allez. Tsuchijiba. Tsuchijiba. Sushinien ça veut rien dire. Ok, on y est presque. Allez encore un. Encore bah, un. Qu'est-ce que Jibakule, comment on dit en français? Jibakude. Jibakule. Jibakule. Ah, donne-nous des jibas. C'est ça que tu veux dire? Non, Jibakule. Nankadala, testez-le. Je ne sais pas. Allons-y. Donc, déjà, on va faire boum. Ah, change. Hop. On va se soigner. Ça sert à rien. Mais on va faire par là. Boum. Ensuite, on y va. On va commencer par Slurpant. Allez, 8. Ouf. 7. Ensuite, on va faire. Je sais pas si on va réussir à tout relier en fait, c'est ça le problème. Pour l'instant ça devrait aller. Et ensuite Geki Kalaboy. Alors
Alors c'est parti. Oh, on va commencer où là? Non, tu vas en bas, au début. Non, je peux pas y aller. Ah zut! Ok, attention, je lâche. 1, 2, 3. 16. Et il y en a encore. Oh, c'est trop gros. Il est trop gros. Il y en a encore. Il y en a plein. Il est size 76. Ouais. On peut pas relier là. Ah, il est pas joli comme ça. Photo. Il est mignon. Mais on voit pas son sushi, on dirait un petit beignet normal. Il y en a en haut. Ah, change. Change. Ouais, attends. Ah. 119. Il y en a 40. Ah non, casse pas. Non. Je vois. On peut pas le bouger. Bon. On va pas mettre en haut. Bah non. Regarde, je secoue le téléphone, ça marche pas. Donc, il est niveau 79. Je pense qu'on peut faire plus, mais malheureusement, on n'a pas réussi à tout relier. Peut-être que c'est mieux de faire avec des bulles, en fait. On va essayer avec des bulles, juste après. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Et il reste tout ça, quand même, hein. Ouah. C'est énorme, hein. Il en reste... Attends, on peut refaire un deuxième pony de combien, là? Et on pouvait faire encore un pony de 38, dis donc. Donc 38 et 79, ça faisait combien? Ah, je me suis encore trompé. Non. Mais tu m'as envie. Oh, la méga boulette, quoi. Bon, on aurait fait un pony de à peu près 100, je pense, mais c'était trop, en fait. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire la même chose, mais... Avec des bubules, ou alors juste avec Slurpant, peut-être. On peut faire peut-être deux Slurpants. On va essayer avec Slurpant seulement. Donc on va garder les autres, mais on va pas les charger. D'accord? Allez, on recommence. Deuxième tentative, c'est parti. Play. Allez. Gambalanyan. D'abord. Tu vas pas le charger, non, Calaboy? Non, mais on va les charger quand même. Mais tu vas pas l'utiliser? Non. Non, je vais imaginer un blague. Je pense qu'on aurait pas dû... C'est peut-être Geki Calaboy qui a tout planté, en fait. Enfin, qui a fait qu'on avait trop de poumons. Je sais pas. Ah, je fais n'importe quoi. Ok, Slurpant, il est chargé. Ah, c'est dur. Ah, j'aurais dû garder la bouboule. Ok, on en a une nouvelle. Je pense que vous n'avez pas comprendre, mais j'ai imaginé un blague. Le kakipi, c'est un kaki. Tu comprends? Bah, c'est des blagues en japonais, tu sais, ça va faire rire personne, le loup. Hein. Ah ouais. Alors, Il y a un bonbon. C'est pas bonbon, c'est. Il y a un snack qui s'appelle kakipi. Ouais. Et ça pique. Ouais. Le wasabi, etc. Ouais. Et tout, en fait, il pique. Et le kaki. Il y a deux kakis. Alors, un, c'est comme un. Comment on dit kai? Comment on dit kai en français? Kai? Quel kai? Uminokai? Uminokai. Des coquillages. Et comme des coquillages. Des fruits de mer. Comme des fruits de mer. Et l'autre, c'est un. Sa blague, elle est un peu longue, Loulou. Hein. C'est orange et kaki. Le kaki. Tu sais qu'il y a un truc qu'on fait en France, c'est qu'on n'explique jamais les blagues. Sinon, ça veut dire que c'est pas drôle. C'est vrai, hein? C'est vrai? Si t'as besoin d'expliquer une blague, c'est que ta blague, elle est pas drôle. Hein. Moi, là, le problème, c'est que tu fais une blague en japonais pour des gens qui parlent pas forcément japonais, donc c'est un peu compliqué. Donc la seule solution, c'est que tu dois faire des cours de japonais. Tu dois leur expliquer comment on parle japonais. Comme ça, ils pourront peut-être comprendre. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah je pense que je vais commencer les vidéos comme ça.
Alors, hop, hop, hop. Ah non, j'ai cassé un sushi mignon. Là, je touche... Ah, mais je touche son œil là. Mais tu me dis rien, là, plutôt que faire des blagues. Ah. Hop, 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 hop. Ah non mais c'est bon là, donne-nous des... Ah, donne-nous des sushis, c'est long. Ah non, en plus si je pète les sushis, ça va pas le faire. Ah mais ça sort jamais quoi. Change des œils. Change l'œil. Ouais, change des œufs. Non, l'œil. Des œufs. Non, pas des œufs. Ok, encore deux. Encore un. Encore un, j'ai dit. Encore un. Encore un. Encore un. Allez. Ah, ok. Alors, c'est parti. D'abord. On va se soigner. Pour le fun. Quoi de la peine. Et ensuite, on va commencer... C'est quoi la meilleure solution? Est-ce qu'on fait... On va d'abord faire Slurpant. Et ensuite, on va faire la bubule. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Ah mince, ils sont partis en haut là. Ah t'as oublié un. Ah. Je pense que tu peux y aller là. Hop hop hop. Ah, t'as un gars oublié en haut. Où ça? Là. Voilà. Non. Ah, il y en a deux que j'arrive pas à voir là. On est bon là, hein? Attention, vous êtes prêts? 3. Tout à l'heure, c'était combien? 79. 71. Il y en a plein. J'ai réussi à les relier juste avant, t'as vu? 118. Et des bubules? Ah oh bah non, c'est la même taille, c'est pas possible! Par contre, on voit son beau sushi. Ah bah, si, c'est de là! Allez, soyons fous. Ça peut monter. On voit pas le chiffre? Ça fait pas monter. Non! On l'a cassé. Maman. 79, on n'arrive pas à faire plus, hein. Ah, c'est nul. Je suis sûr qu'il y en avait plein en-dessus, là, encore. Oh. Bon, voilà, 79. Donc, c'est la taille maximum qu'on a réussi à faire avec ce petit sushi nyan. Mm. Enfin, c'est sushi jiba. Sushi jiba. Je t'envoie plein de coups de poing de sushi qui sentent le poisson frais. Bon, on vous dit à bientôt. Vous aimez les sushis? Ouais, allez en manger. En commentaire. Alors, ce qu'on vous propose, c'est comme d'habitude pour les petits challenges un peu débiles au diso. Les sushis, le magasin de sushis au Japon. Mais Lana, ça veut rien dire ce que tu dis, les magasins de sushis au Japon, ils vivent tous en France, arrête de dire n'importe quoi là. Alors, ce qu'on vous propose, c'est vous aussi, comme pour toutes les vidéos challenges débiles au diso, d'essayer de faire le plus gros puni possible. Nous, on a fait 79, je pense qu'on peut faire plus. Je me demande si la technique que des bulles, c'est pas la meilleure technique, en fait. Peut-être. Mais on essaiera dans une prochaine vidéo pour voir si on peut battre notre record. On vous dit à bientôt dans un prochain épisode de Lana et Iso, avec Lana qui raconte plein de blagues qu'on comprend pas. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Blablague. Salut. Blablara.